La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est pas vraiment l'extase, hein, mais tout le monde s'y colle. La dépêche du midi, hein, débat sans éclat. La Croix, la droite à l'heure du choix. Sud-Ouest, fin des débats, place au vote. Et Libération prévient, programme de la droite, la grande régression. L'humanité, les hommes du patronat dans l'ombre de la primaire de la droite. La primaire donc et le débat d'hier soir. Oui, alors comme pour les deux autres débats aujourd'hui en France, notent les candidats et se demandent qui est le vainqueur. Mais on retiendra surtout dans le journal les commentaires des entourages pendant le débat. On s'ennuie, c'est clair, c'est la cata. Des candidats sur la défensive donc, et qui n'ont pris aucun risque. Et comme c'était le dernier débat, et bien certains crient leur frustration ce matin. L'Opinion dresse la liste des sujets oubliés. Fiscalité écologique, enseignement supérieur, pauvreté, intelligence artificielle, crise agricole. Sur le site Figaro Vox, deux articles démontent les quelques idées des candidats sur deux sujets cruciaux, éducation et Europe. Mais le but d'une primaire est-il de parler du fond ou de créer une dramaturgie médiatique pour donner l'illusion du choix ? Quelques réflexions sur le travail à présent. Oui, parce que le numéro 4 de la revue Limite a choisi de s'interroger sur les nouvelles formes du travail. Et c'est un sujet sur lequel on aurait aimé entendre en longueur les candidats à la primaire. Le travail est-il ce qui nous définit ? Ne sommes-nous pas, comme le devinait déjà en 1987 le penseur Jacques Ellul, placé devant cette alternative ? Travailler beaucoup pour consommer beaucoup ? Ou bien accepter de consommer moins en travaillant peu ? Aujourd'hui, concluait-il, nous voudrions tout cumuler, travailler peu et consommer beaucoup. Il faut lire surtout l'interview de Matthew Crawford, mécano, philosophe, auteur de « Éloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur du travail ». C'est par l'accumulation constante de l'expérience dans certains domaines, dit-il, que l'on acquiert une conscience cohérente et entière de soi-même. Au contraire, l'idée du travailleur flexible suggère que l'on doit être prêt à se réinventer à tout moment. On dit que c'est l'économie qui l'exige. Quand nous utilisons cette phrase, il faut se poser la question des anciens. Cui bono ? À qui cela profite-t-il ? Un bon travail, ajoute-t-il, se caractérise par la marge qu'il laisse pour progresser en compétences et en compréhension. C'est une réflexion sur la modification contemporaine des formes du travail, sur la perte de dignité des travailleurs et la souffrance qui en résulte. Et derrière cela, il y a du concret, sur l'usage des robots, sur la possibilité de produire des objets sans détruire des hommes, sur le travail de dimanche, sur l'engagement humanitaire comme travail authentique contre les trafics. Bref, un vrai débat politique exaltant celui-là. Du foot à présent, enfin pas complètement du foot. Non, pas complètement. Le magazine SoFoot s'interroge ce mois-ci. Notre foot amateur forme-t-il vraiment des djihadistes ? Burak Karan était un jeune joueur allemand d'origine turque. Après des débuts prometteurs, il enchaîne les blessures, les frustrations. Il est mort en Syrie en octobre 2013. Alors dans les textes, l'État islamique est opposé à tout ce qui touche de près ou de loin au ballon rond. À Raqqa, 5 anciens joueurs du club local ont été exécutés en public. Et pour autant, certains dignitaires de Daesh sont de grands fans de foot et ils n'hésitent pas à en jouer dans leur propagande pour attirer certains jeunes. Mais surtout en France, les entraîneurs du club amateur voient de plus en plus de barbes, de joueurs qui prennent leur douche habillée. Alors, ça n'est pas du djihadisme. Mais cette apparition d'une pratique religieuse assidue, pour certains, risque d'altérer le potentiel de fraternité du sport. Le foot est un vecteur d'intégration et c'est bien cela qu'il faut préserver. On termine par un petit détour en Chine. Oui, le site Atlantico nous raconte l'idée radicale d'une entreprise chinoise pour développer la productivité de ses salariés. Les canards boiteux sont forcés d'avaler des vers vivants en public. Wow. Oui. Alors, seule une femme enceinte a eu droit à une dérogation. Bon, c'est un procédé un peu expéditif et légèrement totalitaire. Alors que finalement, dans le monde merveilleux du capitalisme libéral, on a résolu le truc. Hein, le salarié n'a pas besoin d'avaler des larves. Un peu de management, une bonne dose de culpabilité, des mails qui arrivent sur le smartphone à 23h. Il trime et il se sent obligé d'aimer ça. La revue de presse de Natacha Polony. Si vous voulez un petit conseil lecture, elle sort avec le comité Orwell. Natacha, bienvenue dans le pire des mondes. C'est chez Plon, le triomphe du soft totalitarisme. Et si vous en voulez encore du Natacha Polony, je crois que vous serez samedi soir dans On n'est pas couché. Exactement. Et ben voilà, Natacha, à la radio, à la télé. Et pour notre plus grand plaisir, à demain soir, donc à lundi. À lundi.